Bonsoir et bienvenue pour nous bonne nouvelle sports. Nous voir football pour commencer. L'équipe Saint John Bosco pour faire son retour dans Ligue Première Division saison prochaine après l'absence un an. C'est impossible après une victoire 3 goals à 0 au cap de match playoff aujourd'hui. On rappelle que c'est l'équipe Saint John Bosco tire à ta promotion automatique après perdre match décisif pour titre Ligue Deuxième Division contre Ville Maldives tant mois passé. Dernière fois qui sa l'équipe basée point de la rue dans la première division en 2018. Tandis que au Cap Zot, saison prochaine, pouvoir Zot parmi l'équipe deuxième division. Merci, nous prenons un reportage détaillé de ce match au Cap Saint John Bosco dans nos nouveaux sports demain soir. Et demain, prenons l'autre match playoff, cette fois-ci pour deuxième division. 5h30 Stalinité, Belair pour jouer contre Glacy. Belair finit deuxième dans la Ligue 3e division, tandis que Glacy Lille finit avant-dernier dans la Ligue 2e division. Nous restons avec football même, cette fois-ci pour l'équipe en bas 20 ans. De match qui nous jouait aujourd'hui Stade Populaire, il y en a Saint-Louis qui nous fait victoire 1-0 au Beauvallon, ça tient match groupe A. Et c'est l'équipe Marine Maintenance qui restait favori pour qualifier semi-finale sa compétition de sa groupe. Dans des matchs, c'est l'équipe incone autant victoire, les autres deuxième victoire qui vendredi passé le Beauvallon. Ce match qui finit 5 goals le 0. Pour Marine Maintenance, qui pèse en rouge, la plupart des joueurs font partie de la Ligue 3e division et sa saison qui finit de 3e position. Donc, l'équipe qui tombe bien là de sa compétition à 20 ans, ils ont amitié camarade et ils ont tout de suite démontré la force contre l'autre zone de l'équipe Beauvallon. 7 minutes de sa rencontre, Raj Anakura, l'IFC qui sont la tête, ils battent l'équipe Beauvallon. Là, Marine Maintenance, il devant un goal, le 0. Ça, l'équipe en bleu, voit les autres coincés dans leur propre carré, veut dire pression, sorti côté, ça, l'équipe en rouge, Tila, ces autres qui peuvent rester plus fort même. Et 23e minute, encore Anakura, il fait une différence pour son équipe. Son deuxième goal personnel, la score, il arrive 2-0 pour ça, l'équipe Marine Maintenance. Beauvallon aussi, tient un autre moment, mais autres ils sont pas capables de mettre quelque chose à l'autre target. Pour Marine Maintenance, avec deux goals, ils tiennent le contrôle de sa première 35 minutes jouées. Très peu pour Beauvallon, capable de faire de sa deuxième la moitié. Encore, ils ont sorti un petit peu peut-être pavé 10 à l'équipe qui est capable de faire 10 tours Marine Maintenance. Et de 45e minutes jouées, encore Beauvallon va ajouter des problèmes. L'équipe Duane Bonne, l'IFC, score arrive à 3-0. Depuis là, tiens à fin, c'est le côté Beauvallon résistance sorti plus faible. Et de 56e minute, l'ONZO dit de carré penalty. C'était penalty pour sa l'équipe en rose. Ibo IFC qui la score arrive à 4-0. Et là, le sa score, Manu Ntenen, tient un contrôle total de sa jouée. Impossible de voir qui m'a dit Beauvallon, tu es capable de retourner. Et de 72e minute, on cause Tristan bas pression la salle équipe en blé. L'ONZ, quoi, c'est difficile de carrer penalty. L'autre penalty pour sa l'équipe Marine Maintenance. Anakua lui complète son hat-trick. Il fait score final sa rencontre 5-0. Et pour Marine Maintenance, dans deux rencontres, il y a autant victoire. Dans le volleyball, il n'est pas encore trop clair quand la Ligue Beach Soccer est expectée commencer. Et dans la première compétition dimanche, c'est le duo Harold Prosper et Henrico Ernesta qui finit champion le côté Banzom. Dans la finale, ils battent l'équipe Airwaves. Pour Zom, 12 l'équipe qui prend part à un système knockout, avait dit qu'il battait Aldormi. Pour les deux joueurs sortis de l'équipe Saint-Louis, Harold Prosper avec Henrico Ernesta, les autres divisions mettent tout dehors de Stars à semi-finale pour passer devant Corey Toussaint et Malgas Rico. La zone prend de loin. Dans l'autre semi-finale, Donald Jérémy avec Robin Machiot a passé devant des joueurs, Nadi Rose avec David Boniface. Là aussi, tient assez serré de loin. Finale, tient à faire Saint-Louis contre Airwaves. Intéressant de sa jouer, il y en a deux joueurs qui sont dans la finale. L'habitude, c'est de la loussa d'Issab, mais de compétition beach soccer. Ça y a un rôle de prospect.
pour l'équipe Saint-Louis et Robin Mathiote pour Airwaves. Dans les mêmes finales qui nous promettent beaucoup, mais avec la fatigue, parce que là, ça va nous jouer, tu commences depuis bon matin 10h, alors tu arrives presque 10h, 5h du soir, là. Alors quelque chose est besoin nécessaire, mettre un petit peu bien quelque chose dans le jeu, aller se jouer dans la réserve pour capable faire une différence. C'est alloudé, c'est bien pour duo prosper avec Enesta qui amène un petit peu autre contrôle contre d'autres adversaires. Pour Jérémie avec Mathieu, t'es pas à l'aise, ou t'es pas capable de refaire un petit peu, manque un petit peu sa concentration, qu'il a les autres gagnent qui derrière de sa première set, de sa finale 19-10. Difficile pour sa désouer Airwaves, capable de retourner dans le jeu. Henrico avec Prosper, il prend premier set 21-12. Les temps pas trop de faveur, un organisateur Beach Volleyball de Tingay Prité, Salando, à la côte Beach Arena Soccer, mais autres patingay Prité, la lumière. Donc, un certain temps, là, quelque chose, tient un petit peu de gris, de noir, mais quand même ça, sa bonne joie, tient dans sa détermination pour être capable de mettre un petit peu tout quelque chose bien à terre. Dans sa deuxième set, Airwaves, lui, il met Ryan Boniface, veut dire qu'il a beach volleyball, il est capable d'un changement. La Ryan, il essaye de faire tout pour lui capable de combiner bien avec Mathieu. Il est score, il arrive 11-5, les autres pas un peu mal débrouillé. Mais c'était encore un joueur dit, comprend bien camarade, qu'il a les deux joueurs Saint-Louis, il restait plus solide dans les autres joueurs. Bon, avec Mathieu, t'es simplement pas capable de tenir pression. Zouta voit Zouta de certaines difficultés, là, le beach volleyball. Fait si, qui s'assait encore, il venait ne plus dire. La fatigue, tu commences à attaquer, jouer tous les deux l'équipe, elle est, tu sa qualité, côté là, sa joue descend complètement. Mais après, tranquillement et facilement, Prosper avec Enesta, il prend sa finale, les autres remportent sa deuxième set, 21-12, pour faire finir D, le 0. En finale, c'est un peu plus facile. Hein? Si il y a un match plus dit que nous jouons, un match semi-finale, que nous jouons contre Nio, ça c'est un petit peu plus dit, à cause, en fait, tout l'équipe est un petit peu plus calibre, je ne peux pas dire, tu tombes de la poule, la table. Et mais seulement les nous combattons plus pour semi-finale à cause nous connaissons finale c'est un petit peu plus facile nous get une bonne équipe en bas mais seulement il partit mal hein nous première fois nous jouons ensemble moi plus nous jouons plus match plus nous adapter plus nous capable communiquer et pas un mauvais match beach volleyball nous jouons depuis Beauval tout lifeguard nous faisons travail débrouiller et nous nous épais après aussi habite soccer aussi mais capable comment nous à finale finale facile. Facile. N'a pas timi fail men. Merci bon hein. Ca débouiller pays. C'est moi qui ai fait non. Pas grave. Man débouiller pas mal. Actuellement, toutes les choses se déroulent bien. Toutes les choses sont parfaites. Nous perdons un peu la fatigue. On a dit ça pour train, il demande un peu plus train, plus l'endurance pour nous capable pour suivre. Peut-être la prochaine fois on fait un plus bon match. Oui, nous bien fait nous c'est comme si des trois difficultés nous players comme ça m'habitue camarade pour moi. Et bien voilà, ça c'est nos bonnes nouvelles sports pour aujourd'hui. Mathieu, merci pour suivre.